Bonsoir, bonjour, salam shalom alaykoum mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de nouveau sur le Hiclop Vipe 3. Voilà, c'est comme ça, je viens de l'acheter, le kit, parce que la batterie dans la Hiclop précédente, elle est déjà à plus de 8 mois, elle a commencé à affaiblir. Et je vais vous montrer, de nouveau, je vais vous rappeler comment recharger ces cartouches-là jetables, sans problème, avec le liquide de recharge ordinaire, avec le fioul comme ça, pour faire des économies et bien sûr pour l'écologie. Alors voyons ensemble comment ça marche. Liquide comme ça et la cartouche elle-même avec le nouveau kit. Voilà notre kit. Un petit peu barbare, mais c'est pas grave. Ça, c'est les USB. Ça, c'est la batterie et deux cartouches qui vont avec. Mais les cartouches, comme vous pouvez voir, sont pleines. Une fois votre cartouche est vide, on n'attend pas pour jusqu'à ça vient le coup cramé. On ouvre le bouchon d'en bas et vous verrez ici un trou, celui-là. Et c'est dans ce trou-là qu'il va falloir verser le produit. Voilà, c'est simple comme bonjour. Pour plus de détails, vous pouvez taper e-vipe sur ma chaîne et vous verrez comment ça marche en détail. Là, ça se voit pas, mais elle est pleine, à moitié comme ça, parce que j'arrive pas à remplir complètement, car pour que ça dégouline pas après. Mais voilà, ça marche. Et voilà, c'est fastoche. Rien de compliqué, ça vous fera des économies au lieu de payer 7-8 euros dans les 3 cartouches. Vous achetez une fioul comme ça à 4 euros, 5 euros et ça vous suffira pour une bonne dizaine de jours. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Like, dislike, abonnez-vous, désabonnez-vous, partage. Et à la prochaine fois. Merci. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous pas vouloir, moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.